Putain, tu peux s'en débloquer. Ah ta mère! Ta maman! Ok, compris. Non! Non! Là, tu peux mettre par exemple un Kiki ou de Dragon X. Ok, coffre. Ah, un graffiti, hein. Ça c'est la vie. Ah non! Non! Putain. Bon, impatient, c'est l'enfer. Donc, voilà. Homme de loup rouge. C'est bien ça. Ensemble d'armure, bah attends, tiens, tac, et tac, voilà. Oh, en plus, je suis grave stylé. Point de talent disponible aussi. Allez, là. On va aller prendre ça. Hop. Capacité d'arme se recharge plus vite. Oui, surtout le tourbillon. Cumule à 10 fois. Oh, stylé. Et l'affinité. On s'en fout de la thune, donc, let's go. Alors, on part en arrière. C'est parti. Salut Raxéphon, pour exclamation, il cause. Il pleut beaucoup et que en vient. Ça c'est beau. Ils ont enlevé des choses pour mieux maîtriser leur jeu et c'est le cas. La maîtrise pour le coup, elle est bien là. Ok. Non. Okay. Et salut, ça faisait effectivement très longtemps que Notaro. Salut à toi, j'espère que ça se passe bien. J'ai pensé à toi en plus que j'ai bien pensé la saison 4 de Diablo 4. Hein. Je lui dis tiens, ce qui va passer. Et voilà. Ouais. Merde, ouais, c'est ça. Bonne neuf. Le Clio va bien. Et merci à l'Anfun pour les 3 ans d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Tabasse sévère le tourbillon. J'ai pas eu un point de capacité d'ailleurs, mais... Ah. Ah, yes, ouais. Yes, yes, yes. Tu vois, ça fait un peu, ça fait un peu peur quand on réfléchit, mais au final. Ils se calment bien, ils sont plus stables et Ah oui d'accord ok. Ah c'est intéressant. Merci d'avoir partagé pour le coup, je trouve ça cool. Deux secondes. C'est pour le retour. Oh pétard. Voilà. Ah putain je savais bien, je me demandais s'il y avait un boss. Bah oui.
Non, ouais, je comprends, c'est cool. Hein. C'est cool, je trouve. Fais gaffe. Je pars ma vie. Ah ouais. Je roule au lien. Bon, l'esquiver c'est pas simple hein. Aïe. Déteste ce mob. Allez. Ok. C'est une arme. C'est quoi? Lex, on va connaître raffiné, peut-être ça qui est important. Ah non, fléau. Okay. Alors, on va prendre le chat. Donc, dans l'ordre. Tiens, ouais, ok, en fait, en gros, vous donnez 3 heures tous les jours, quoi qu'il arrive. Je trouve ça très cool pour le coup. Ça marche. Et c'est comme tu streams effectivement le soir, c'est pour ça que vous mangez plus tôt, mais comme ça, vous êtes. Ouais, avec 3 heures, tu peux mater séries, films, animés, plein de trucs. C'est cool, ok. Et bah, enjoy, écoute. Enjoy, enjoy, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Ouais, je t'avais... En fait, je t'ai quasiment pas revu Konotaro depuis que j'ai moi-même pris ma retraite, tiens, je crois. Depuis le début de l'année, pour vrai. Après, bon, il y avait SOD, ça, je sais que ça intéresse pas vraiment. Mais ça fait quand même plaisir. Alors, personnage. Fléau. Il n'y a pas vraiment de diff là. Ah, c'est même littéralement le même. Ok. Oh, bah ça, SOD, t'inquiète, hein, t'es pas le premier, pas le dernier, pas de soucis. Après, on a fait d'autres jeux, j'ai fait, ouais, saison 4, Diablo 4. Puis, bah surtout, enfin, ouais, clairement, la retraite tout court, IRL, c'est cool. Ah, c'est ça, je voulais aller faire les quêtes secondaires pour. Hop là. Allez, pex un peu. C'est comment? Comme ça qu'on se TP et. C'est à la fonderie, je crois. Ouais. Bah là, écoute, pour l'instant, bah SOD, de toute façon, moi, là, on est en pause, entre guillemets, parce qu'on attend la P4. Donc, en attendant, là, j'ai fait quelques jeux. J'avais plein de trucs, donc je m'étais lancé dans Witcher, mais là, j'avais pas la tête à faire un jeu narratif. Trop de trucs qui RL, pas de trucs chiant, mais des trucs qui prennent la tête, quoi, enfin, qui occupent le cervelet. Donc là, on a fait donc Wayfinder, le 21 juin, il y a Tarisland. Le 11 juin, je serai à nouveau sur Wayfinder, parce que c'est la sortie officielle. Et bon, on aura la P4 de SOD, mais on a First Descendant aussi qui arrive bientôt. Enfin, plein de choix de choses. Hein. D'accord, ça doit être en bar et les statues près du rivage. Yes. Alors, elles sont où ces petites statuettes hein. C'est sur les mobs peut-être. Alors, ils sont tête de mort ou pas maintenant? Ah, ok, je l'ai vu. Nice. Pas mal hein par contre. Oh, il m'a mis une patate le bazar. La vache. J'ai pris une patate des enfers hein. Heureusement que c'est le monde ouvert, y a pas de perte. Fiche trop diable. Ok. Deuxième round. Oh, c'est un monstre. Ok, bonne nouvelle sur Houston. Full stagger. Encore touché.
J'arrive pas à le dodge ce truc. Ah, je suis câblé dans l'armure. C'est bon. Ah bah tiens, grande le rouge. Ah. Ok, tout ça pour une statuette sur trois. Grande le rouge, ensemble d'armure. Oui. Santé puissance 1. Ah, j'ai vu. Bah en vrai, je sais pas ce que t'en as pensé, mais quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, ils ont toujours le même autographique et c'est toujours le même jeu quoi. Alors qu'ils changent pas le principe, ça me va, hein, c'est Dynasty Warriors, tu vois, mais putain, à un moment, faites quelque chose quand même côté moteur graphique, là, ça commence à se voir. Quoi. C'est, on dirait vraiment, c'est la PS2 ou la PS3 en HD, quoi. C'est chaud. C'est juste que c'est en HD, mais tu regardes les textures, c'est plat, en fait. Y a pas le décor, il est plat de chez plat. C'est impressionnant. Alors, les graphismes, hein, je suis d'accord que ça fait pas tout, mais à un moment, faut évoluer un peu, quoi. Omega Force, là-dessus, ils se font pas trop chier, hein. Je sais même pas si ça marche vraiment encore dans Dynasty Warriors. Je crois que oui, hein, si on y sortira pas de nous. Hein. Ah, c'est ça. Tu comptes. Ça t'intéresse toi, Tar Island ou pas du tout? Parce que ça, c'est un jeu sur lequel on va être très, très, très présent. À partir du 21 juin. C'est en free to play pour les prolos. Je vois bien. Ouais, je suis méchant, je sais. Ah non, non, lui il est chiant, lui. Non, je vais pas le rappeler. Ah putain. Non, tu m'embêtes. Oh, je vais te tuer. Elles sont les autres statues, on s'en pense pas. Du démon. Continue par là. Ah ouais, ok. Va falloir se fight. Hein. Va falloir se fight. Ok, tant que c'est pas un boss, ça va. Tout ce qui est pas un boss, ça descend quand même très bien. Ah. Lui il est lié au coffre. Alors le coffre, il me donne quoi de plus? T'as toujours pas fini ta saison de Diablo 4 hein? Je suis étonné. Hein. C'est vrai que pour le coup j'ai un peu fait le tour. J'arrive pas à tomber Uber Lilith. J'ai voulu faire mon propre build initialement, ça m'a amené donc niveau 100, ça m'a amené en cauchemar 80 et tout. Ensuite j'ai pris un build de max roll. Et ça va pas être ce que je t'en ai pour, mais ça va pas être très optique parce que clairement j'ai vu des gens qui tapaient infiniment plus fort que moi alors que j'ai quand même plutôt bien stuff. Quatrième perso vers le 100, attends, je me suis arrêté à 2. Après elle est très bien la saison, ceci dit. Ah, je me gourde le touche. Elle est effectivement très bien, ça je comprends. C'est moi, il a esquivé mon attaque. Lui. Je veux dire, bien, très bien. Par contre, c'est toujours pas ce qu'il me faut pour la quête. Hein. Ah, putain, c'est pas bon ça. Je suis dans la galerie sanglante. Mais elle est où cette quête du démon? Ça me rend ouf! J'ai trouvé un seul des coffres.
Oh, Varys. Je pensais pas le trouver là, tiens. Ah, j'ai 114 gemmes comme ça. Oh, pétard. Joueur de paix, apparence de fusil. Vas-y, on va prendre ça. Et qu'est-ce que je peux prendre d'autre, tiens, en attendant. Rouge, orange. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait que j'aille voir aussi. Attends, attends, ouais. Fallait que j'aille voir. J'ai une petite idée dans, en ville à Varys. Par contre, résultat, j'ai trouvé à Varys, mais j'ai toujours pas trouvé la quête. Et... ah là ! Et de deux. Ok, plus qu'un. Je me dis pas que c'est juste là-devant. Et je suis un idiot. Oh pétard. Il y a des jours, je vous jure, je me fatigue. Je me fatigue. Ok. Pas de chargement. Chargement ? Je connais pas. Chargement, on ne connaît pas. C'est la mienne, c'est aussi. Ah. Oh. Un peu d'XP, très bien. Niveau 9. Ça, c'est chouette le niveau 9 parce que ça me fait. Voilà. J'ai toutes mes capacités. Point d'affinité, on passe ici. Tac. Niveau 5. Ce qui fait que je les bloque. Poussée de colère. Yes. Rage sanguinaire. Attends, j'ai un doute. On les émerde. C'est quoi rage sanguinaire? Comment c'est ça? Lorsque la garde d'un ennemi est brisée, ouais. Ok. Ça, il faut vraiment le brise-garde, c'est sa vie, lui. C'est bien cela. Alors, faussaire. Ok. Et on va donc se re-TP. Attends, il fallait que j'aille où, là? Je voulais... ah oui, Avaris. On va aller rue du marché. Là. Voilà, c'est le 21 juin. Bon, après, je pense que dans 21 jours, t'en auras peut-être un peu marre de ta saison, je sais pas. Bon, si tu t'éclates, hein, c'est dans le sens où... T'as que globalement, une fois que vous êtes tombé Uber Lilith, tu vas voir. Moi, je me suis arrêté, j'ai fait tous les Uber Boss à part Uber Lilith. Globalement, c'est quoi ensuite l'idée, à part pexer les persos, quoi. Peut-être des slow build, ouais. Mais après, elle est déjà très bien, honnêtement. Moi, je sais pas, j'ai dû passer... je sais pas combien d'heures j'ai passé dessus. Mais pas mal et je suis là content. C'était vraiment une bonne saison. Alors, Avaris, il est là où il y a les pièces. Ah putain, ok. Effectivement. Et donc là, il va nous donner les trucs de fondateur. Mais il est où? Ah, il est là. Monter dans le pit. Oui, 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 oui. Effectivement. Bah, je t'avoue, je suis monté quoi, niveau 80... 80 et des brouettes, pareil, dans le puit. Puis, oh, j'ai mes doses, quoi. Anti-venin. C'est les pets, quoi. Ah, et une monture! On va prendre la monture. Ok. Ça c'est pour Senja. Ça c'est un dead pour Venomess. Et. C'est qui ça? Voilà. On verra ensuite. D'accord. Et ça, ça vient de. Ok. Style. Alors, changer de monture. Hop. Ah oui, stylé lui. Tac. Ici. Non. Bon, l'arme est superbe. Par exemple, changer quoi que ce soit. Ah, j'ai différentes têtes, tiens, j'avais pas fait gaffe. Oh. Corps. Berserker.
Ok. Ah oui, c'est vrai que je peux avoir l'armure équipée qui tape, mais avec le style de base, d'accord. Ça roule, je comprends mieux. Il comprend mieux. Ouais, et puis c'est vrai que tu peux passer, on peut aller loin comme ça, effectivement, passer tout ton sub 12 sur 12, etc. J'avoue que j'ai eu ma dose. Après, c'est juste que je sens que j'ai mes limites, en fait, en termes de build, quoi. Sur ce que je peux faire, personne par moi-même. Ok. Alors oui, on va voir à quoi ça ressemble l'aventure. Oh, stylé. Est-ce que ici j'ai fait ce que j'avais à faire? Ok. Tac. Allez, rentre aussi les Venomes. J'aime bien. J'aime bien. C'est quoi? Ah, c'est là. Ça prend les ans. Fouiller la maison dans les bas quartiers de Skylight. Attends. Ah ouais, non, c'est bien là, c'est bien ici. Hein, ouais. Ok, il est stylé le bonhomme. Ça, c'est pour aller parler avec Estrelle. Hop. Ah, nice! Quête de donjon. C'est quoi connaissance? The business. Ok, belle grèche dans la fosse ou grèche sanglante. Nice! Ça va me faire pex ça. Et l'autre quête, elle est pas très loin. On va y aller direct. Oula, je vais oublier. Alors j'ai vu qu'il y avait un jump, donc maintenant. Ah, mais ils sont niveau 4! Ils ont pas monté le level, tiens! Je suis étonné. Ceux qui sont pas montés level, eux. Tant pis, hein. Ouais. Alors, c'est où? C'est là. Interroger à nouveau le monde des... Ah. Retournez voir Jean-Jacques. Allez, j'ai bu ma gourde, donc 1 litre plus le holy. Faut que je retourne pisser aussi, c'est l'enfer. Il me reste encore environ une heure de jeu et de stream. T'inquiète, hein. Ils boivent le carburant. D'accord. I'll sing a few more strikes.